Et bonjour à tous, coucou les titounis. Donc on est le samedi 24, il est 16h10, je n'ai toujours aucune nouvelle de Louane. J'ai appelé le foyer qui ne savent toujours pas où aller. J'ai fait un bordel parce que j'ai demandé si les gamines étaient au courant de quelque chose qu'elles ne voulaient pas dire. Bien entendu, non. Personne ne sait où aller. Donc, je re-répète parce qu'on m'a demandé si on pouvait la joindre via les réseaux. Non, on ne peut pas la joindre via les réseaux. Pourquoi? Parce qu'elle avait effectivement un téléphone, elle avait un portable avec accès sur Internet, mais comme elle se mettait trop en danger via le réseau Snap et d'autres réseaux potentiellement, donc du coup, le foyer, la direction du foyer ont pris l'initiative de prendre le téléphone complet de Louane et de lui retirer. Voilà, donc Louane, bien entendu, depuis la nuit du 21 au matin du 22, donc depuis le 22 à 2h du matin, Louane s'est échappée sans son téléphone. Elle est uniquement avec un sac à dos noir, un sweat à capuche gris et quelques un ou deux rechanges dans son sac. Voilà. Donc, bien entendu, le 22 au matin, elle s'est présentée, je le répète, hein, le 22 au matin, elle s'est présentée chez sa grand-mère dans le 3e arrondissement. Elle n'a pas dit qu'elle avait fugué, elle n'a pas dit qu'elle avait passé la nuit, on ne sait où dehors, si elle était seule ou si elle était accompagnée. Elle n'a rien dit de tout ça. Elle a simplement dit comme quoi qu'elle avait l'autorisation de sortir. Et qu'elle après, elle se rendait voir sa copine. Donc, comme Louane n'avait pas sa carte de bus et aucun papier d'identité sur elle, sa grand-mère lui a simplement donné 10 euros, deux paquets de biscuits et deux briquettes de lait. Alors, pour vous, c'est peut-être anodin, mais pour moi, c'est beaucoup, c'est énorme le fait que elle ait deux briquettes de lait. Au moins, déjà, elle avait déjà de quoi voilà, boire et grignoter. Soi-disant, c'était juste pour aller voir sa copine qui est située dans le 11e arrondissement. Et elle devait se représenter au foyer le soir même. Le 22 au soir, elle devait retourner au foyer. Or, Louane ne s'est jamais présentée au foyer. Hier, nous étions le 23. Le 23 à 11h, moi et mon mari, donc le papa de Louane, nous sommes présentés à la MDS pour avoir plus d'informations, parce qu'apparemment, on devait nous voir pour nous montrer certains éléments qui ne pouvaient pas se dire au téléphone. Nous avons appris par l'ASE que la toute première fois où Louane avait découché début août avec une de ses copines du foyer, elles avaient fait la connaissance de deux jeunes hommes situés dans le 6e arrondissement, entre le 6e et le 8e arrondissement, sur la placette de Castellane, ou à Castellane même. Elles ont fait la connaissance de deux jeunes pour passer un début de nuit avec ces deux jeunes et elles ont passé la fin de la nuit non plus sur Castellane ni avec ces deux personnes-là, mais pour se diriger au quartier des Rosiers, dans le 13-14e, pour passer la nuit chez une seule personne, chez un homme. Donc, quand on a demandé à l'ASE si les individus étaient au courant de l'âge de ma fille et de son amie, bien entendu qu'elle m'a répondu que oui. La copine de Louane aurait dit aux éducateurs ou à l'ASE, je m'inquiète énormément pour Louane parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec les personnes en question. Et bien entendu qu'ils étaient au courant que nous avions 13 ans. 13 et 14 ans, parce que la fille, je ne sais pas quel âge elle a. Donc, on apprend ça. On apprend que ces hommes-là, ils ont entre 20 et 23 ans. Ce sont des adultes. Hier, nous avons appris comme quoi que là, il n'y avait aucun élément. On ne sait pas où est Louane, si elle est retournée dans le 13e, si elle est retournée à Castellane, on ne le sait pas du tout. Louane n'a toujours pas son téléphone, elle n'est pas repassée chez sa grand-mère, parce que sa grand-mère m'informe et me donne des nouvelles, elle n'en a pas. Le foyer, pareil, n'en a pas.
Voilà, donc je sais qu'il y a une fiche de disparition inquiétante qui a été faite au commissariat et relayée dans tous les postes de police pour retrouver Louane. Maintenant, ben voilà, j'ai que mes réseaux, moi, pour communiquer, pour partager. Je ne peux même pas sortir dehors pour chercher. Hier, on a un peu cherché au retour. Mais on ne sait même pas par où commencer. Est-ce qu'elle est plutôt dans un endroit? Est-ce qu'elle est retournée à un endroit précis? On ne sait pas. Le foyer ne veut même pas me passer une des copines de ma fille pour m'en dire un peu plus. Voilà. On reste impuissant. Si maintenant vous avez du nouveau, vous de votre côté, sur Marseille ou autre, il y a la photo de Louane. Je vais vous la remontrer au cas où. Voilà. Bon, maintenant, elle n'a plus l'appareil dentaire. Hein. Mais voilà, c'est une des photos récentes que j'ai de Louane. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas.